conseil général communique beaucoup sur l'excellence de la région et des chevaux et de l'élevage et tout ce qui peut tourner autour. Et on voit personne du conseil général. On n'a aucun politique qui puisse défendre, qui puisse nous défendre. Alors le préfet, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis, je pense, qu'il est complètement avec GDE. Un préfet, c'est quelqu'un qui passe, c'est quelqu'un qui reste là. Il y en a eu qui ont défendu. On était contre le projet, qui sont partis. Après, celui-là reste, il est pour le projet. Mais ce qui est le plus choquant, ce sont les hommes politiques qui, aujourd'hui, sont inexistants. L'inexistence des hommes politiques, une fois de plus. En l'occurrence, c'est le cas pour le combat anti-GDE. Le monsieur s'interroge sur plutôt l'absence totale du membre du Conseil général, dont le président Alain Lambert, dans ce combat. Pour dire, nous, on est un excellent. On est notre valeur dans l'ordre, c'est les chevaux, c'est l'élevage, c'est tout ce qui en découle. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Emmanuel Leclerc, les gens qui habitent. Le président du Conseil général est quelqu'un qui défend les habitants, les gens qui est élu. C'est pas nommé par le gouvernement, c'est quelqu'un qui est élu. Et ces gens-là, ils écoutent pas, ils nous écoutent pas. Alors voilà, je voudrais que vous nous disiez un petit peu votre ressenti là-dessus et pourquoi le président du Conseil général n'a jamais pris parti ou les gens qui travaillent avec lui pour nous aider, quoi. Parce que si on avait fait avérer pareil, ils auraient dû prendre position. Une question sur l'absence de réaction des membres du Conseil général, notamment son président Alain Lambert. Le président du Conseil général est même celui, et vous le savez bien, qui a poussé pour que le préfet de l'époque ne fasse pas appel. Donc le principal responsable, c'est Alain Lambert. Mais cette responsabilité, il a toujours fait très attention à ne pas être pris la main dans le pot de confiture. Mais on sait très bien que c'est lui qui a poussé l'installation de GDE. Vous citez la lettre qu'il a adressée aux différents entraîneurs. Il y a une réponse qui est prête, qui va être signée par la plupart des représentants du monde du cheval, et j'espère tous, qui est une lettre extrêmement dure à son égard et qui montre combien la présence de GDE est due à sa complicité, à sa légèreté et à des engagements qu'il n'aurait jamais dû prendre. En faisant cette lettre, il a fait un faux pas. Jusque-là, il s'était bien gardé d'apparaître. C'est la première fois qu'il apparaît. Et son label créateur de champion, c'est plutôt fossoyeur de champion. Et donc, le sens de la lettre, c'est bien celui-là. Ah oui, bien sûr, elle sera publiée, oui. Une lettre qui sera publiée en tant que lettre ouverte. Actuellement, nous sommes, nous le savons, sur le domaine routier, qui comporte toutes les infrastructures du domaine routier, et il vient nous dire, non, il n'y a pas eu mutation parce qu'on ne sait pas très bien où on en est, et surtout on était sur un concept provisoire, le tourne à gauche provisoire, dans l'attente du rond-point. Et là, on ne sait plus de quel rond-point on parle, parce que dans l'arrêté préfectoral, il était prévu un rond-point ici. Maintenant, vous avez un rond-point là-haut, au cimetière, remarquez, ça tombe très bien, au cimetière. C'est-à-dire complètement à l'opposé du site. Et on vient nous expliquer que ce projet-là, il était prévu dans l'arrêté préfectoral de septembre 2011, je ne me trompe pas. Et il y a une convention qui a été faite 2 mois après, en novembre 2011, où on prévoit un rond-point ailleurs, un peu plus loin. Et c'est un projet qui fait date. Effectivement, le projet date de 2002 pour là-haut, c'est-à-dire pour le cimetière, 2002. Eh bien, en septembre 2011, on ne le connaissait pas. On l'avait oublié. Et il est revenu en mémoire en novembre 2011. C'est-à-dire que le rond-point qui est prévu dans l'arrêté préfectoral, qui devait être ici et aux frais de GDE, sera à la charge des administrés là-haut. Et certainement pas pour desservir le site, car il n'y a aucun point de ralliement entre le site qui est là, et ça serait quand même une aberration, que de monter, mettre un accès à GDE au niveau du cimetière, même si on peut considérer que ça serait parfaitement justifié pour d'autres raisons, pour aller totalement à l'opposé du site. Donc il est bien évident, et M. Lambert le sait parfaitement, que ce qu'il nous dit aujourd'hui, le tourne à gauche provisoire est en fait un tourne à gauche définitif,
et que, bien évidemment, si l'on veut assurer la sécurité sur cette route départementale, il faut bien que nous soyons ici, là où nous sommes en ce moment, sur le domaine routier. Car imaginons, si nous sommes sur une propriété privée, que l'on ferme ici et qu'il y a un petit portail qui s'ouvre quand les poids lourds arrivent, le temps d'ouvrir le portail, que le poids lourd tourne, la sécurité des usagers de cette départementale est parfaitement en danger. Donc à l'évidence, M. Lambert, je vous rassure, a déjà pris position, mais pour GDE.